Thank you.
Thank you.
Everything is swimming in silence. All the sound is swimming in silence. Ma louloute, à moi. Ma louloute, à moi. Ma louloute, ma louloute, à moi. Ma louloute à moi. Bah ouais, à moi. Bon, une autre chanson, vite fait. Allez, je fais pause. Je dois trouver une fin à cette chanson. Bonjour, je m'appelle Alexandre Rouge. Bah oui, c'est le cas. Je peux pas tricher, c'est mon nom. Et je le garderai jusqu'à la fin de mes jours. Un truc qui m'avait fait chier quand j'avais dans les 28-30 ans, j'étais rentré dans une boîte avec un ami iranien d'un copain, un ami iranien de mon ami Ferry, qui s'appelait, je sais plus comment, j'ai oublié, mais un gentil. Et on est allé en boîte ensemble. J'étais vachement def. Et
Je me souviens qu'à l'entrée, il y a la serveuse, ben, la fille pour les habits qui dit donc je dépose mon paletot, c'est l'hiver. Je prends le ticket, je lui paye ce que je lui donne. Mais elle dit merci monsieur. Et puis je lui dis mais monsieur, je ne suis pas si vieux que ça, voyons. Puis il m'a répondu vous auriez préféré quoi que je vous dise, mon garçon. non, excusez-moi. Puis je suis allé danser. L'ami de Ferry n'avait rien compris à rien. Mais sauf que moi j'adore danser. Et puis il me disait mais t'es à fond, fais gaffe, t'es à fond. Ben, bon, j'étais à fond, effectivement. J'avais flashé sur une fille 30 mètres plus loin. J'essayais de me rapprocher. Je buvais du Moritos. Je m'en foutais. Je faisais la fête. Et quand je fais la fête. J'ai pas les mecs qui disent calme-toi, Alexandre, descends. Mais non, je fais la fête. Même si je dois mourir en faisant la fête, c'est le pied palmé. C'est mieux que de mourir dans son lit quand même, non? Bon, voilà. Ça, c'était la phase de polémique. Bonjour, ici Rakam le Rouge. Nous retournons à chez moi. Alors voilà, il va falloir que je mette un fichier à la suite de ça. Tu veux, c'est ce que ça va être. Une oreille de flamouche, quoi. Moi, comme je suis flamouche, les flammes se bloquent. Ya, ça va, attention. Mais comment quand même, il me paye ce rouge de mes demi-heures. Ce morceau-là. Il me dit des trucs, je croyais fort. Longtemps d'avoir chanté. Ça fout une mal partie, voilà. Et puis, il ne retourne plus jamais, à moins que je retourne en bas de la partie.
Tu peux écouter tous mes fichiers. Ah bon, voilà, fichez-moi. Je me sens là avec toi parce que. Non, non. Je vais pas à l'arrache, tout ça. Je vais me dire si c'est bien ou pas bien. Voilà, mes chers auditeurs, je vous laisse là sur Radio Alex Mouvre. Alex Mouvre. Alex Mouvre. Bon, je vais vous chanter quelque chose de mon cru. Je vais vous chanter quelque chose du cru. Alors voilà, il va falloir que je mette un fichier à la suite de ça. Tu veux ce que ça va être? Ah, c'était bien, je me fais 2 secondes, vite, stop, et les appels, je vous parle. Bon, voilà, je quitte ce morceau-là. Je vais retourner à chanter un petit peu au début. Et puis, je vais un petit peu écouter tous les fichiers pour savoir lesquels vont ensemble avec toi, parce que c'est un petit peu à l'arrache, tout ça. Voilà, mes chers auditeurs, vous laissez ça. Je vous avec son groupe. Bientôt pour dans combien de temps?
Combien de temps? Bah demain. Ah oui, voilà, à demain. Donc aujourd'hui, les coordonnées. Vous voyez, ça c'est un solo total. Je recommence ma radio à zéro. Je viré tout le monde, ils sont partis tous sans moi. Je recommence à zéro. Donc les coordonnées. Il fait beau. Il est 15h04 de l'après-midi. Le morceau dure déjà depuis une heure. Et j'ai pas fait grand chose, je me suis baladé, j'ai eu le temps d'allumer ma clope et puis de caresser ma jolie jolie, je suis revenu un peu vers l'ordinateur pour voir que ça enregistrait bien juste avec la voix et... Ah attention, vous l'avez entendu ma chatte là, elle m'a soufflé. Louloute, jolie jolie, jolie jolie, c'était la mère de Louloute, spirituelle. Mais Louloute, elle est bizarre, bizarre, bizarre. Bah c'est confinement hein, c'est ma femme. Et c'est une femelle, elle est, d'après ma vétérinaire, j'aurais jamais osé dire ce mot-là, mais bon, à la vétérinaire, je lui dis, mais écoutez, ben, je crois bien que quand elle vient doucement vers moi, ma petite chouchoune d'amour, et qu'elle vient se poser, en train de se pordiller les griffes et les dents sur mon poignet droit, et d'entrebâiller ses jambes sur mon mon genou gauche, droite, et qu'elle reste là en train de ronronner pendant au moins une heure, je lui dis, c'est quoi ça, madame la vétérinaire? Je sais pas, moi j'ai une idée, mais j'oserais pas vous la dire. Ben dites-la. Ah bon, ben, elle se masturbe, quoi. Puis il m'a dit, bah oui, bien sûr. Ah bon. Mais ça, je savais bien, mais enfin, tout le monde se masturbe. Même Dieu, il n'y a que ça à faire, le con. Bon, pardon. Je vais avoir un retrait de points à mon permis islamique. Mais je m'en fous, les boches sont 10 fois pire que les islamistes. Les cheleux. Qui ont tout détruit. Et pire, ça a commencé en Hollande, un pays calviniste. Non, calviniste, c'était Calvin était à Genève et celui qui était en Hollande, j'ai oublié le nom. C'était les premiers capitalistes, bordel de merde. Au-delà des bourgeois, au-delà de la société. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu la préhistoire, il y a eu la Renaissance. Ça, c'est la plus belle quand même. Ça doit être la folie, mais c'était le Moyen-Âge. Entre le Moyen-Âge et le 18e siècle, ça doit être le plus beau, la plus belle période de la Terre. 3 siècles. Sans guerre. De Dieu. De 1600 à 1700. C'est le pouvoir, c'est l'homme dans sa bassesse, dans ses envies, dans ses conneries. C'est des cons, pourquoi commencer à parler de la connerie et devenir moi-même con. Donc c'est le 84% de la population qui est con. Et qu'on va en faire des confettis, nous, à Radio Chouette, des cons. Et puis il y aura les cons garnis, il y aura les cons léchés, il y aura les cons comprends, il y aura les cons cons, il y aura les cons. Mais ils gagnent tout le temps. Vu qu'ils sont plus que nous, ils nous obligent tout le temps à parler d'eux. Vous voyez le stut? Et la Belgique, c'est grave, il n'y a pas de gouvernement, c'est une femme oui respectable, mais ils savent faire que du journalisme, les Suisses. Ils sont très bons journalistes. Les Belges, ça oui, ça oui, c'est des super généralistes, on dirait des flics. Passons. C'est le roi, c'est un royauté, la Belgique, putain, on se fait chier. Ouais, le roi, c'est sujet, il attend ses commandes. Mais on ne tue plus un roi, parce que c'est une star. Mais c'est bien. Je ne vais pas imiter. Je n'ai jamais imité. J'ai un micro, tout à fait. Non, j'ai un jeu de 16 ans. J'ai commencé à dessiner, en fait, c'est un peu ses modèles. Tout ça, c'est comme ça. Je l'ai envoyé, lui. Suspect. Oui, j'ai envoyé deux, lui. Il frappe. Il bouffe, lui. Et je sais bien, je comprends pas. Et aussi à Louloute. Je vais l'éditer aussi, hein. Tu veux m'arrêter? Hospice, va le con, je parle de ma famille. Fais gaffe, hein. Par mon personnel. Allez, c'est cool. Allez, on arrête dans le chiffre. On va être un néo. Une fille. Je l'ai dévoré, ton petit. Comme Emily Van Paul. Ici Alexandre Rouge. J'ai un micro sur mon GSM. Patron PDG, régisseur,
présentateur, instrumentaliste, musicien, imageur, c'est pour Radio Chouette, la radio des Chouquettes. Mais elle a beaucoup de problèmes, cette radio. Mais c'est quand même Radio Chouette, la radio des Chouquettes, la radio des Pépinettes, la radio des Chouquettes, la radio des Lettres, la radio des Lettres et la radio des Mouches. C'est critique. Bientôt, pour une temps. Je trouve que mon boulot m'a gagné, j'ai trois enfants et je les ai. Je l'ai dévoré. Combien de temps? Bah demain. Bah oui, voilà. Aujourd'hui, les congénés. Oui, ça c'est un solo total. Je recommence ma radio à zéro. Je dirai tout le monde, c'est parti. Tout seul. Je recommence à zéro. Donc, les coordonnées. Il fait beau. Il est 15h04 de l'après-midi. Le morceau dure déjà depuis une heure. Et j'ai pas fait grand chose. Je me suis baladé. J'ai eu le temps d'arriver mes marqueurs. J'ai caressé ma jolie jolie. Je me suis vu. Je suis revenu un peu vers l'ordinateur pour voir que ça enregistrait bien juste avec la voix et. Ah, attention, vous l'avez entendu, ma chatte là, elle m'a soufflé. Louloute, jolie, 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 c'était la mère de Louloute, spirituelle. Mais Louloute, elle est bizarre, bizarre, bizarre. Bah, c'est confinement, hein, c'est ma femme. Et c'est une femelle, elle est. D'après ma vétérinaire, j'aurais jamais osé dire ce mot-là, mais bon, à la vétérinaire, je lui dis, mais écoutez, moi, je crois bien que. Quand elle vient doucement vers moi, ma petite chouchoune d'amour, et qu'elle vient se poser sur son cordier, les griffes et les dents sur mon poignet droit, et d'entrebâiller ses joints. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu la préhistoire, il y a eu la Renaissance. Entre le Moyen-Âge et le 18e siècle, c'est quoi? La plus beau, la plus belle période de la Terre. 3 siècles sans guerre. 1600-1700. C'est comme ça, ça n'est pas comme ça, mais il faut voir là. Bon voilà, maintenant, exit. Exit Facebook!